Oh, je supporterai deux, trois fois ma vie que j'ai faite. Je la supporterai encore. Tu recommencerais? Oh ouais. Ouais. Je ferai la vie que j'ai faite. En tout cas, j'ai eu des fois envie d'avoir une place à la commune. J'ai eu envie d'avoir une place, etc. Mais je te dis carrément, ça ne me fait pas envie, ça. Ça ne me fait pas envie, même en recommençant. Je préfère cette vie d'aller d'un endroit à gauche, faire des paniers, voir les trahir des paysans, voir des bouchers qui bouchent le cochon, qui manger comme je mange, même pas changer mes ustensiles de cuisine, laisser tels qu'ils sont. Vous voyez, j'ai cette carrette. Est-ce que je peux camper? Je pensais que ça peut l'avoir du tout, j'avais l'arbre. Là-bas, je vais aller à Paris, c'est là. Oui, je vais aller pour voir ici dedans. Et puis je vais faire un but, puis après je vais aller vite au faire un refus vers vous. Hein. Oh, merci. Ah, okay. Laissez-moi tout à l'heure. Hein. Merci, c'est moi. Oui, merci, monsieur. C'est moi. Tu peux nous dire où on est ici? On est au musée d'ethnographie, si j'ai bien dit le mot. Oui. Alors je crois que nous, on est allé de surprise en surprise, hein, parce que un jour tu m'accroches à la cité et puis tu me dis, écoute Pierre, je suis allé visiter un musée, hein. Oui, exact. Et puis alors moi je me suis dit, enfin je t'ai dit qu'est-ce que tu auras à nous dire sur nomades. Oui. Hein. Toi tu es un nomade, tu te considères comme un nomade? Je ne veux pas dire que je me considère comme un nomade. Ou semi-nomade, mais... Quand tu vois une tente comme celle-là, ça te donne envie de voyager, ça te donne envie de partir? Oui, ça me donne quand même envie de voyager.
Bien sûr. Moi, quand j'ai vu ces tentes, je me suis dit, mais j'aimerais aller les voir sur place. Ah, bien sûr, moi j'aimerais bien aussi. Et toi? Ah, aussi. De toute façon. Elles sont très belles. Oui, elles sont belles, oui. Tu as une idée pourquoi elles sont rondes? Oh, je pense que c'est pour couper le vent. Couper le vent. Moi, c'est ma seule idée. Et puis facilement, ça arrange. On a moins de pertes que de faire des carrés. Et puis c'est mieux fermé, un temps rond. Il n'y a pas de joint dans les coins. C'est mon point de vue. Alors tu penses que ces gens, ils sont nomades par nécessité? Ouais, je pense que c'est généralement des bergers, quoi. Oui. Ouais. Et toi, tu es plutôt nomade parce que tu as besoin d'être nomade ou c'est aussi par nécessité? Ça peut être par le plaisir, ça peut être pour les vacances. Et ça peut être par nécessité, parce que moi j'ai un problème, c'est qu'en général je suis seul. Je mange sous ma tente, j'y dors, je regarde la télévision, je suis sur place comme si j'étais à la maison. Tu connais assez bien ces régions-là, hein? C'est-à-dire toutes les régions de l'Asie, je ne les sais que par des livres et des images. Oui. Mais les régions que j'ai vues, je peux dire quasi l'Espagne entière, en tout cas donc en rond par des petits bleds. La France entière, l'Angleterre, parlons, et puis jusqu'à Turzo. Je n'ai pas été ici, et puis aussi le Danemark, et puis... Tu as vu des lapins comme ça des... J'ai vu des lapins touristiques. Donc en bas l'Italie, là, non, ici, et puis en bout de la Yougoslavie, là. Tu es assez fortement attiré par les nomades de l'Iran. Hein, oui, je ne pourrais pas te dire pourquoi, justement. Ouais. Enfin, un petit peu le pourquoi, parce que je me dis, si je vais en Iran, je suis à moitié mi-chemin pour aller aux Indes. Mm-hmm. Pourquoi cette envie d'aller aux Indes? Il y a des vaches sacrées, il y a ces gens qui sont... Je pense que je retrouve le monde qu'on avait il y a... Entre 40 et 45 ans, des gens que j'ai connus, même 50 ans, toi. Tu as parlé de nomades ici. Quel genre de nomades il y a en Iran? Eh bien, en Iran, d'après les livres, c'est des nomades avec du matériel très lourd. Moi, ça, c'est impossible à charrier parce qu'ils ont déjà toute une famille et puis ils charrient tout avec des chameaux. Vous avez donc les Kurdes qui sont... les Kurdes, de la mer Caspienne, voilà, les Kurdes qui sont par là, entre la Turquie, l'Irak et l'Iran. Après, vous avez les Kaskais qui sont entre Téhéran et la montagne d'Ibrus, donc. Hein. Oui, Téhéran, comme ici, Téhéran, on ne voit pas Téhéran, mais qui est entre deux, donc, vous voyez, s'ils appellent les Kaskais, d'après des livres, hein, je ne sais pas si ça peut le prouver. Et vous avez en bas ici les Balouches, mais les Balouches, je sais pas, c'est des nomades, ben des huttes sédentaires. Et puis, tu as participé un peu à cette vie, à la ferme, le boucher, oui, tout ça qui venait. Oui, toute façon. Tu en as connu des bouchers ambulants comme ça? Oui, j'en ai connu, mais je pense que c'était des bouchers déjà, c'est d'étarisé le soir, tu vois. Oui, qui rentraient chez eux. Qui rentraient chez eux. Je crois que c'est beaucoup plus en arrière, les bouchers qui n'avaient pas de domicile, vous voyez. L'autre, c'est un ouvrier de campagne, dit. Le chou, comment dire. Le chou. Et puis, ouais. Qu'est-ce que tu Albert lui disais chou, que, quand il passait, Albert Chou? Ah ben, une fois dans notre ferme, là, aux prises de gorgée, puis il venait de dire « Salut, toi qui ne fous rien !» D'abord, cette vie, c'est une vie de ruse. Hein. C'est une vie de ruse. Ouais, même ces tailleurs ambulants, même des bouchers ambulants, ceux qui n'ont vraiment pas de chez eux, sont obligés de trouver des ruses pour avoir le matériel pas trop cher, pour avoir... Pourquoi? Pour vivre, avec la ruse, quoi. Des paniers, tu en as fait beaucoup? Ouais, je faisais ça l'hiver, je faisais ça des corbeillons. J'ai fait les hôtes, alors je suis le paysan. Que je te disais aussi, alors. Puis tu vas reprendre ce travail cet hiver? Oh, cet hiver, je ne peux pas te dire. C'est-à-dire, je vais faire des crates, tout ça. Je vais plutôt commencer par faire journalier, puis avec une certaine ruse, faire comprendre aux paysans pour planter des osiers. Et puis qu'on fasse des corbeilles, vous voyez. Ah, d'accord. Mais qu'on en achèterait. Je pense, c'est pas si ça réussira, mais enfin, on va essayer. Alors ça, Pierre, c'est une roulotte, c'est pas une caravane. Hein. Mm-hmm. Une roulotte, toi, ça t'intéresse pas, les roulottes? Si, les roulottes m'intéressent beaucoup plus qu'une caravane, mais une roulotte est beaucoup plus lourde, beaucoup plus, moins pratique à déplacer. Tu as jamais pensé à te déplacer avec un animal, avec un âne ou avec quelqu'un qui pouvait te... T'aider ou... Si, j'ai étudié tout ce...
tout ça, mais au point de vue d'animal, j'ai trouvé que l'homme prenait l'animal un peu comme une marchandise qu'il sert. Peut-être qu'un animal a plus de réalité qu'un homme ne pense, voyez. Qu'est-ce que tu entends par réalité, plus de réalité? Ben, je pense que l'animal, faut savoir quand même croire qu'une poule peut-être peut nous aimer, et puis quand même après la mort, il y a aussi quelque chose, tu vois. Et puis il faut les manger, pas industriellement, mais les manger par nécessité. Je ne sais pas pourquoi, moi, depuis tout petit, j'embrasse une poule, j'embrasse un cochon, et puis que j'ai des réalisations, des fois, à les montrer comme des personnes. Le souci de la mort aussi. Le souci de la mort, le souci de le perdre. Je ne suis pas très content des chrétiens. Je crois que dans l'islam, il voit la bête plus loin. Mais donc, le chrétien, il dit que la bête se termine à la mort. Mm-hmm. Moi, je suis pas d'accord. Tu penses que qu'est-ce qui se passe? Il y a autre chose. Il peut venir autre chose. Il peut aller dans une autre planète comme nous. On peut revenir des hommes. On peut comme ça. Et là, la vie continue autant pour un animal que pour un chien, autant un animal que pour un homme. Ouais. Ouais. Et moi, j'aurais tendance à respecter plus la mort, autant la mort d'un animal que la mort d'une personne. Puis je trouverais, on n'aimerait pas y passer, mais je trouve que ça serait normal que de temps en temps un homme, même un enfant ou comme ça. Pas se manger par une bête, par une autre bête, puisque nous on mange des bêtes. À l'époque, d'abord quand j'étais sur mon lit percé, j'avais déjà dans ma tasse le pain, tout. Puis là, on mangeait comme ça, tu vois, sans bardouffer partout. Puis on lavait directement la toile, puis on avait laissé à côté, tu vois. C'était bon. Et ça t'est resté toute ta vie après. Ben, justement, c'était un bien qu'ils aient fait comme ça, c'était un tort, c'est là où j'en sais rien, tu vois. J'étais plutôt pour, toi. À l'époque, j'étais pour, quoi. Et puis maintenant? Ben, à présent... Parce que les méthodes d'éducation ont changé maintenant. Oui, la méthode d'éducation. Je dirais que la méthode d'éducation, comme on fait par exemple avec ceux qui font au lit tout, à présent ça me dégoûte. Comme certains idiots, c'est ce qu'on empêche à l'éducation à la cité, c'est qu'ils viennent pas sauter au bidon, si tu veux, toi, tu comprends? Qu'on est qu'ils attendent. Il y a des gosses qui vont sauter au bidon. Ah ben, quand les idiots à Ebenezer, c'était comme ça. Il fallait vite leur donner à manger, autrement ils auraient sauté sur le plat, si tu veux, toi. Ils auraient tout foutu par terre, ils auraient mangé par terre, tu comprends? Ouais, toi, je veux dire. Ça fait ça, toi? Oh bien sûr que je l'ai fait, mais bien sûr. D'abord un où j'ai passablement un peu souffert à la cité. Tu connais le Didier au deuxième ouest? Oui. Le Didier au deuxième ouest, je pense qu'il mangerait facilement comme ça en pâteau aux gens, à manger par terre et tout, puis il va manger dans les assiettes des autres, comme ça. Hein. Mm-hmm. Alors on l'empêche, les éducatrices l'empêchent. Bon, dans un sens c'est normal. Mais moi,
mets-moi là-dedans. J'en souffre un peu parce qu'on doit corriger un gamin et puis que moi je fais la même chose. Et puis qu'à l'occasion je le fais encore. Hein. Mm-hmm. Tu vois? Puis tu aimes le faire. Puis j'aime le faire. Ouais. Alors tu trouves qu'on le martyrise ce gamin? On lui fait du mal. Moi, à mon avis, on y fait du mal. Ouais. Alors ouais. On n'est pas des bons éducateurs. Pas mon avis. Alors il faut laisser passer au jeu. Ouais, pourquoi? C'est vrai. Parce que tout ça, c'est un gamin qui n'arrivera pas comme nous, qui n'arrivera quand même pas comme nous, et puis il n'aura jamais du plaisir dans la vie, et puis finira en hôpital psychiatrique, parce qu'il sera toujours très désagréable. Pourquoi moi je fais pas comme toi? Ben, est-ce parce que ça te dégoûterait et puis qu'on t'a appris autrement? Adieu chérie chèvre, adieu mon amour. Les canards, bonjour. Les poules. Écoute, Willy, on va partir un peu à la découverte de ta chambre, ouais, puisque c'est ton lieu d'habitation. Ouais, c'est ici. Hein? Et puis on va peut-être prendre la première petite voiture verte, là. Oui, hein? Sortir du film. Oui. Tu collectionnes beaucoup ce genre de modèles? Je te dis, je les collectionne, je les prends avec moi, même pour m'amuser à l'occasion, vous voyez. Et puis, voilà. Tu les achètes ou bien tu les... Je les achète, on m'en donne, des fois j'en carotte, j'en trouve aussi. Ça veut dire quoi, carotte? Oh, je dois dire que je ne vais pas dire vraiment j'ai carotte parce que les gamins en ont aussi besoin, mais enfin j'en trouve des fois des hauts. Hein. Mm-hmm. Celle-là, elle est achetée, celle-là. Tu l'as achetée? Ouais. Et tu dis, quand tu vas acheter dans un magasin, tu dis que c'est pour toi ou bien tu... Je dois dire que si j'ai pas besoin de la vendre, je dis rien. Puis si elle vend une bonne pour quel enfant, quel âge c'est. Des fois, ça arrive que j'ai dit pour un enfant de 2 ans, des fois, je dis que c'est pour moi. Mmh. C'est aussi comme celui-là. Mmh. D'accord. Puisqu'on est là, on va peut-être profiter de voir la... Ah oui. Tu nous expliques ce que c'est, ça? Ben, c'est tout simplement de la bête en caoutchouc qu'on mettait autrefois à ceux qui mangeaient pas très proprement. Oui. Et puis moi, j'ai toujours gardé ça comme tradition, je m'en sers. Tu t'en sers toi encore? Ah, je m'en sers toujours, ouais. Oui. Quand je vais camper, quand je suis chez moi, ouais. Je m'en sers toujours comme ça. Je la mets comme ça. Non, des tâches, on la met. À qui la mets? À toi, Bernard? À moi, ouais, tu la mets à moi. Bon. Hein? On mettait ça, et ça protégeait très bien pour manger. Ça, c'était les bavettes. Puis ça se lavait comment, alors ça? Bon, on les lavait cette marge. Celle-là, je ne l'ai pas... Celle-là, je l'ai pas lavé. Il y en a une qui ne garde pas lavé, puis je les lave. Quoi. Elle a combien de temps? Elle a quel âge, cette bavette-là? J'en avais du... Des vieilles, quand du temps que j'étais chez M. du Grand Prairie, mais j'en ai plus, parce que... Ça arrivait qu'on s'est coupé de moi puis qu'on les a détruites. Celle-là, je ne pourrais pas te dire combien elle a, mais elle a bien une dizaine d'années. Hein. Moi, je me gêne un peu avec cette bavette. Hein, moi, je ne me gêne pas. Tu ne te gênes pas, toi? Non. Pourquoi tu ne te gênes pas? Je ne sais pas, parce que c'est normal de manger avec ça. Mon point de vue. Moi, je ne pourrais pas manger. Par exemple, ce midi, je n'aurais pas pu manger avec ça, par exemple. Non, moi, je ne me gêne pas. Ça ne te gêne pas? Non. Si on regarde un peu dans tes affaires comme ça. C'est... Ben voilà, je te dirais, cette assiette, c'était les assiettes qu'on avait à Ebenezer à Lausanne. Mais pas de montant, après. Avant, on avait des assiettes de fer étamé, si tu vois ce que c'est. Non, je vois pas très bien ce que ben, c'est. Du fer étamé, c'est du fer qui est... Comment je pourrais te dire? Étamé, c'est Francis qui pourrait t'expliquer ça. Étamé, c'est du fer, mais du fer, mais après ça rouille, ça rouillera jamais. Mm-hmm. C'est comme les leviers. Oui. Et puis, écoute, là-dedans, il y a un peu de pleure d'orange, un peu de papier, il y a des clous. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai ramassé au fond de la chambre, que j'ai peu le temps de trier, puis j'ai mis dans l'assiette. Ah d'accord. Puis tu tries après. Je trie un jour, et puis peut-être un jour je mangerai quand même dedans. Puis tu mangeras quand même un jour dedans. Ouais. Juste à côté, on découvre... Un lapin. Un lapin, ouais.
Et tu manges là-dedans? Oh, je mange là-dedans. Mais je mange là-dedans des macaronis et tout pour le café au lait, elle est dans le sac. Ouais. Ça, faut que je la sorte aussi. Elle est dans le sac, on verra après, j'en sortirai. On n'oublie pas. Ouais. Et puis tu manges avec des services là-dedans ou bien? Non? Bah, je mange avec la cuillère, avec les mains, c'est égal. Avec les mains? Ouais. La soupe, je la mange avec la cuillère, ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la présence des petits animaux comme ça. Ouais. Hein? Ouais. Ensuite. D'une gamme à la chien, que j'ai pas de chien. Ouais. Et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite à côté, on tombe sur. Du Sony, ouais, sur les enregistreurs Sony que plus tard j'espère m'acheter une vidéo aussi. Tu veux t'acheter une vidéo? Ouais, ça je ne sais pas, ça arrivera. Maintenant, j'ai bien envie en tout cas. Si on continue, Willy, là sous ce carton, il y a un petit peu de. C'est plein de choses à découvrir. Oui, ben oui, oui. Ça, c'est un machin de chien, ça donc. Ouais, comment le chien ça? C'est-à-dire qu'on donne, c'est dans les magasins de chiens qu'on trouve ça. C'est vrai? Ouais. Et le chien, vous voyez, c'est très épais, il ne comprend pas comme un machin d'un jouet d'enfant. Et pourquoi c'est chez toi ça? J'en ai acheté, on me l'a donné puis acheté, je ne sais pas lequel qui était acheté puis donné. Je dois en avoir encore un autre comme ça. Il y en a un qu'on m'a donné puis un que j'ai acheté. Et j'ai perdu celui qu'on m'a acheté puis j'ai regretté puis je l'ai acheté. Ça, il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Je ne me souviens non plus d'où il vient. Oui, il vient t'en voir. Je ne sais pas si c'est Madame Blondine ou si c'est la prairie qui m'a donné. Et qu'est-ce que c'est? J'arrive pas bien à voir, ça représente un lion, je crois. Si on continue là avec les différents personnages, là on a une petite poupée. Ouais, me dire où elle est, d'où elle vient, je ne peux pas te dire. Les poupées, tu aimes mieux que ce soit des garçons, des filles ou comme ça? Ça t'est égal? Ça m'est égal, mais j'aime pas les poupées Barbie qui sont allongées, qui sont... Les Barbie, c'est ça? Ces poupées? Non, je les aime pas, ça. Tu les aimes pas, pourquoi? Ben, j'aime mieux la poupée du petit gosse. Oui, parce que la Barbie, c'est la poupée des plus grands? C'est-à-dire, c'est la poupée d'enfant, si on veut, mais on les met à la réalité, donc de la vraie être qui existe, donc soit une femme, soit un homme, vous voyez. Oui. Qui ne s'encaissent un peu bien longue d'après la largeur, je dirais. Bien longue d'après la largeur. Oui, ils s'encaissent. Je ne sais pas si elles sont vraiment à l'échelle, ça ne peut pas dire. Là, on a une surprise. Oui, la tête, je l'aime, je m'en fais pas. Ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je crois qu'elle doit être dans l'arme. Non, non, mais ça fait rien, Billy. Ça fait rien. Ouais, c'est une surprise. Oui. Tu n'en as pas vu souvent des comme ça, ou bien? Non, non. Voilà, puis j'ai loin, puis après j'ai vu la tête. Et là? Ça, c'est un casque que j'avais acheté, je crois, à la Fête du Bois, il y a une année ou deux, à Lausanne. Oui, à la Fête du Bois, à Lausanne. Puis tu l'as mis, porté? Oh, je ne sais pas, je l'ai porté, je ne m'en rappelle plus. Je l'ai peut-être porté pendant la Fête du Bois, oui. Mais comme ça tient, comme ça vite par terre, il est tombé. Ça fait rien si je regarde un peu. Non, ça, tu peux regarder, mais ça, je te dis tout de suite, ce livre est à Marco, hein. Et c'est un livre qui est? Qui est des chemins de fer français. Et ça m'intéresse parce que là, il y a une question de voltage. De voltage au point de vue de chemin de fer français pour que je voie avec Francis. Comme il a dégardé ses temps. Oh, j'ai baboté son livre, mais je vais lui rendre. À Marco, donc. Mm-hmm. Qui est ici. Pour 2-3 jours, je crois qu'il peut s'en passer. Parce que vous voyez, il y a différents contacts. Il y a continu à 1500 volts. Et monophasé 26 mol watts, vous voyez, haute tête de courant. Alors je regarde avec Francis. Ouais, ouais. C'est pour ça que je n'ai pas rendu son livre. Ah, c'est les différents voltages, ouais, qui t'intéressent sur... Les différents courants sur le réseau de la SNCF. Tu comprends tout ça, toi? Non, comprends, c'est un bien gros mot. J'arrive à saisir la moindre, mais pas tout. Hein. Mm-hmm. Des fois, quand on me l'explique, j'ai encore pas tout à fait compris. C'est quoi cette corbeille? En principe, c'est une corbeille à papier, mais... Elle me sert de débarras pour l'instant. Tu veux que je te montre ce qu'il y a dans la corbeille à papier? Ah bah oui, elle était oubliée qu'il était là, je vais chercher. Il y en a partout, hein? Ouais. C'est un peu ton monde, le jouet? Ouais, c'est un monde, c'est un monde qu'il me faut. Et t'en as besoin? Oui, j'en ai besoin, sans en avoir besoin. Un enfant, je sais pas de quelle façon on en a besoin. Et les, moi... disons, les enfants, ils en auront besoin, pourquoi tu penses, toi? Pourquoi ils ont besoin de jouer, les enfants? Je me demande s'ils cherchent un monde pour imiter les adultes ou s'ils cherchent un monde à eux, je n'arrive pas à te renseigner pourquoi.
bien vraiment pour être... Mais il y aurait ces deux possibilités, c'est leur monde à eux ou le monde qui ressemble à celui des adultes. Oui, et puis qui voudrait, oui. Moi, ouais. Ça ressemble pas tellement au monde des adultes, ça. Non, pas ça, non, non, justement. Mais enfin, quand un petit enfant embête sa maman pour aller sous le potager, il cherchera à imiter sa maman, moi, je pense. Oui, oui. Enfin, moi, il me faut ça, c'est... Ouais. Il me faut ça. Parce que tu es un petit peu un enfant, des fois encore. Oh, je crois que tous les adultes peuvent être un enfant, mais ils veulent pas qu'il soit dit. Ah, c'est ça. Ouais, mon point de vue. Ouais. Peut-être me tromper, hein. Ils se gênent. Ils n'osent plus le dire, ouais, parce qu'il y a la question de la bonne place, il y a la question des copains, il y a des tas de choses qui jouent un rôle. Mais est-ce que tous les adultes seraient comme ça, je ne peux pas te dire. Hein. Mm-hmm. Toi, tu ne te gênes pas, disons, avec tous ces objets. Non, parce que moi, j'en prends pour être dans le train, déjà, pour pas que, quand les gamins en ont, ça me passe envie, tu vois. Mm-hmm. Ah, parce que si les gosses en ont et que tu n'en as pas, tu as envie, toi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. Les gens ne te regardent pas dans le train quand tu montes avec les jouets? Oui, de toute façon. Je m'occupe pas de ça, parce que moi, les gens ont bien des choses à regarder. Puis... Oui. Des fois, ils te font des réflexions. Il y en a qui m'ont demandé, très rare, mais... Très rare. Tu te demandais quoi? On me demandait pourquoi ils ont pensé que c'était à mon enfant. Tout. J'ai dit, oh, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'aime ça. Puis ils répondaient quoi? Ils étaient comment? Je sais pas s'ils sont francs, mais ils disent que aussi bien faire ça qu'autre chose. Oui. En général. Et voilà la télé. Italie, je vois si c'est quelque chose. Oui, il y a rien, c'est ça, c'est vraiment, tiens. Demain en pointe. Ça, c'est une sorte d'une télé que j'y tiens beaucoup pour le camping. Alors, puisqu'on n'a pas emballé, ça, c'était la lampe de camping. Ça, c'est le chauffard. Hein. Thibault, qu'est-ce qui se passe? Bon. Il n'est pas 5 heures et vous avez déjà M. Ponce. Et il est passé sans dire bonsoir. Je ne l'ai pas vu. Je veux savoir ce qui lui est arrivé à ce pauvre cher homme. Bon, là le dîner de M. Schmuck tout préparé, je vais lui monter. Thibault, si on me réclame, hein, je suis chez ces deux messieurs. Je te dirai tout. Donc on va passer les... Même si un peu mouillé dessus, c'est un isolant quand même. Pour moi, pour mon point de vue, parce que je sais pas s'ils faisaient comme ça avant, après ils ont mis à faire. Ils ont mis à mettre du. Excusez-moi. Ça va? C'est bien connaître ces petites bêtises-là. Je vais contrôler le temps, s'il vous plaît. L'État va payer 300 000 francs la collection de feu, monsieur le conseiller de Savoie, et dépenser presque 1 000 000 en achetant l'hôtel de Cluny pour héberger ces petites bêtises-là. Eh oui, ces petites bêtises-là sont bien souvent les seuls témoignages qui nous restent de civilisations disparues. Le cousin Ponce est donc un savant? Jean-Pierre, toi, par les jouets, tu t'occupes de la psychologie, du comportement de l'enfant, toi? Des fois, oui. Bon, ça peut, donc, c'est dans ton boulot, ben c'est... Pas ouais, directement. C'est un peu dans mon boulot aussi, des fois. Ouais. Parce que là, je te demande quelque chose, je sais pas, je te demande à présent. Oui, vas-y, à présent. Vas-y. Je vais te demander, pour quelle raison
quand je suis, pas aujourd'hui, aujourd'hui je me sens à l'aise, mais par exemple dans le travail, si par exemple je fais dire ce pilet, puis ce pilet dit tu poses ta pelle ici, pour fumer là, qu'au bout d'un moment ça m'épuise, puis j'en vais tout balader, que si on était par exemple avec lui, mais que lui par exemple fait le buisson, puis qu'il est tout près de moi, qu'on se cause comme ça, mais qu'on est indépendant. Quelle est la raison que je dois suivre vraiment quelqu'un, qu'au bout d'un moment je ne peux plus suivre, à la distraction et à tout. C'est quelque chose que j'ai eu ça depuis tout jeune, mais que je vois qu'avec l'âge, ça s'est aggravé. Et je te dis une chose, c'est que par exemple, je n'aurais pas pu par exemple être chef de gare, contrôleur, je ne sais pas, mais être chef de gare, parce que le chef de gare ne peut pas se permettre de se distraire. Moi, il faut un peu distrait tout en travaillant, toi. Comme tu dirais, genre paysan, c'est tout. Mm-hmm. Tu ne peux pas dire que le paysan est toujours son boulot, toi. Il est un peu distrait. Hein. Mais si tu avais pu choisir de venir sur la terre, en animal, tu aurais choisi quel animal? Oui, l'oiseau. Il y avait le cochon aussi, je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime bien les cochons. T'aimes bien les cochons? Ouais. Ça me fait rappeler ces gros idiots qu'on avait autrefois. Comment ces gros idiots? Ouais, ces gamins qui mangeaient comme les, un peu comme des cochons, quoi. Ouais. Après, on les éduque. Comment? Mais on les éduque pourquoi? C'est-à-dire ceux qui peuvent arriver à quelque chose, tant mieux, mais ceux qui veulent faire cette vie-là et qui n'ont pas d'autre vie, autant les laisser comme ils sont. Mm-hmm. Mais il ne faut pas confondre l'idiot puis l'handicapé, donc le paralysé, le... Voyez. Toi, tu trouves qu'il ne faut pas les éduquer? Ceux-là, non. Il faut les laisser dans leur monde. Les sortir beaucoup. Mm-hmm. Beaucoup les sortir. Mm-hmm. Beaucoup se promener. Parce avec. Que quand on était à l'école la dernière fois, à l'école d'éducateur, tu disais toute cette grande maison pour apprendre aux enfants juste à tenir un couteau et... Oui, oui, justement, ouais, ça. Pour tout le monde, ça ne sert à rien. Ah, alors là, on n'a pas dit. Et après, ils prennent du billet, ils pompent, puis il y a... Il y avait des gosses comme ça aussi, là où tu étais? Les gamins, donc on avait des gamins comme qui étaient complètement handicapés et tout, qui avaient leur dortoir à eux, qui étaient donc des grabataires, comme on dit. Parce que toi, au départ, on t'avait taxé la même chose que ces enfants-là, ou bien? Oui, au départ, oui. Au départ. Au départ. Et puis après, on m'avait taxé plus haut, puis comme je n'aimais pas m'approprier, on m'a remis avec ceux-là. Mm-hmm. Mais j'allais quand même à l'école. Mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. En ville, donc. En ville, hein. Mm-hmm. En ville, ouais. J'étais à Pouponnière à la Chaux-de-Fonds. Ouais. À Pouponnière, puis j'étais au foyer gardien de Sarriel Lac. Pourquoi tu as été à la Pouponnière là? J'en sais rien. T'en sais rien. J'ai rien du tout. Puis au foyer de Sarriel Lac non plus. Mm-hmm. Et puis tes parents? Oh ben mes parents, je les connaissais pas à l'époque. Tu les as pas rencontrés? Je les ai pas rencontrés à l'époque, non. Mais quand tu as été placé à Estavayer, tu parlais déjà ou bien? Non. Je pense qu'ils ne m'ont pas gardé à Estavayer parce qu'ils étaient considérés comme idiots, je crois. Puis après Estavayer, tu es allé à... Eh bien, je ne peux pas te dire comment ça s'était rangé, si je suis retourné dans le canton de Neuchâtel, ou bien si j'ai été à Ebenezer. Je sais que je suis rentré au mois de novembre à Ebenezer. En 1921, c'est ça? En 1921, c'est exact. Mm-hmm. Je suis rentré sûrement chez les bébés, j'étais chez les filles, tout dans ces petits services, chez les filles et tout ça.
Et puis chez les filles, il y avait Naline Génier. Je me rappelle qu'elle me fouettait dans un teint pour que j'arrête de faire pipi au lit. Quoi. Tu vois, donc ils avaient vu que j'étais un peu normal. Ils m'avaient appris à chanter, tu vois. Puis, tout ce qu'elle m'a expliqué, j'étais sur une chaise percée et puis que je bougeais les mains en chantant, oui. C'est là-dessus qu'elle avait vu une comment on appelle ça, une moindre d'intelligence, hein, tu veux, une, ouais. Mais tout, pardon. Tu as parlé à quel âge à peu près, tu te souviens? Je ne pourrais pas te dire à quel âge j'ai parlé. Mais on t'a classé dans quelle catégorie au départ? Au départ, on m'a classé comme idiot. Et c'est Sœur Julie, en m'en prenant à chanter, c'était encore chez les bébés, quand elle a vu qu'il y avait une lueur d'intelligence, vous voyez. Ensuite de ça, on m'a placé chez les petits garçons. Et puis chez les petits garçons, j'étais en haut chez les filles. J'étais en haut chez les filles. Et je me souviens toujours quand on m'a descendu chez les idiots, un matin. Pourquoi? Ben là, on m'a pas descendu comme punition. Parce qu'avec toutes les fessées qu'on me donnait pour pas que je mouille au lit, pour pas que je mange salement. Et puis tout ce que je me souviens, quand on m'a descendu, l'employé, donc on m'a mis dans la barrière, sur un lit percé, à côté d'un autre idiot, vous voyez. Oui, tu sais pas ce que c'est. Ben, le but du lit percé, la première des choses qu'on nous apprenait, à tirer la merde dans le milieu. Et puis après, l'employé venait laver la toile. Ou bien alors, par exemple, c'était une aide, ou bien c'était les garçons qui étaient punis qui venaient laver les toiles. Tu en as souffert qu'on considère que tu étais idiot comme ça? Tu as souffert de ça? Non, même pas. Monsieur, comme je suis incertain de faire aller-retour, alors si par exemple je reviens donc par un abonnement général peut-être, vous voyez, puis j'irai au log tout ça. Alors si je prends aller-retour, je me retends prendre aller-retour, puis quitte se faire rembourser après, de prendre 5 courses. Parce qu'il y a une grande différence ou pas? Ou si on... Vous voyez, aller-retour de nuit. Ouais, d'accord, bon. Alors, sinon, aller-retour demi, s'il vous plaît. Un Saint-Léger, 5 courses, et puis un Saint-Léger aller-retour, sans date, les deux sans date. Hein. Non, c'est... Et puis vous mettez aussi à Lausanne aller-retour sans date. À l'école, s'il y avait quelqu'un à côté de moi, rien n'allait bien. Mm-hmm. Tu comprends? Et puis des fois, la maîtresse me mettait dans un coin de la classe, et puis elle me donnait le cahier, puis elle faisait semblant de faire la nerveuse, mais au fond, elle n'était pas nerveuse, tu vois, je veux dire. Mm-hmm. Elle jouait à la nerveuse, elle faisait pas la bonne copine vis-à-vis de moi, tu comprends? Mm-hmm. Puis qu'elle mettait dans un coin, mais elle me donnait mon cahier, elle ne mettait pas dans un coin, puis restait tranquille. Mm-hmm. Elle mettait dans le cahier, puis tu frottais le son là. Après, les leçons étaient faites. Mm-hmm. Alors, c'est ça qui est bizarre. Mm-hmm. Ça a tout le temps été comme ça. Mm-hmm. Directeur de la prairie, qui m'a dit que de toute tutelle, je risquais d'être plus tard pour finir sa pratique. Mais on t'a mis sous tutelle en 51. C'est ça. On m'a mis sous tutelle, mais pour soi-disant tutelle volontaire, soit 10 ans, quoi. Mm-hmm. Vous voyez, je l'ai pendant 16 ans, ils ne m'ont pas gêné du tout. Hein. Puis, j'ai trouvé le tuteur, et c'est pas très à la cool, monsieur Maurice Thiébault. Alors après, je l'ai fait enlever. C'était très gentil, lui, il a même démissionné parce que. Quoi, il n'était pas fait pour. C'est un homme capable, mais pas pour. Mm-hmm. Pas pour comme tutelle. Et puis alors, je l'ai fait enlever, et puis ils m'ont mis sous curatelle. Puis même en étant sous curatelle, j'ai dit non, tout ça loin direct. C'est comme ça que je venais. Puis ils ont accepté, tout ça loin direct, puis c'était loin. Oui, ça s'est passé, quand tout a été liquidé, j'étais à Montana. Thank you.
Bon, j'ai dit gentiment en deux trains. Je dis bon, ben viens bientôt. Alors j'arrive chez eux avec ma charrette, non, pas la grande, enfin. Ouais, la petite, je rentre dans leur appartement avec la charrette, où je vais arriver dans des moquettes, tout ça. Et puis, je sais pas quelle aventure j'ai eu avec mon paletot. Tout mon paletot qui avait un trou dessus s'est vidé, des miettes, tous sur les moquettes par terre. Chez elle. On dirait que c'était fait exprès. Elle m'a dit, mais Willy, on va pas avec un paletot comme ça qui a un trou et tout. Alors ce paletot, on l'a vidé, on l'a déchiré, on l'a mis au papier. Il y a un planchard, on m'a dit, il faut bien te mettre, puis il faut pas... Il faut rester ce camping, ça paraît... T'es intelligent. Ça paraît bonnet, la vie que tu mènes, etc. Toi. Attention, 8 sur 23, Grenier, il est à 16h15 pour Montreux et équipé Martigny-Sion, Sierre, Liège, Brie, de Modos sur la Milan, sans arrêt jusqu'à Montreux. Voiture de Modos sur la Milan au milieu du train. Je me demande si j'avais une intelligence cachée. Qu'est-ce que tu penses? Il existe des intelligences cachées. Oui, je me demande si j'avais une intelligence cachée. Qu'est-ce que tu penses? Il existe des intelligences cachées.